Salut à tous les amis, c'est Danton Bullet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XV. Au programme, je vais aller valider On y voit mes rien ici. Deux quêtes que je dois valider depuis un petit moment. Seulement, entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont entremêlées. Donc c'était ici. N'importe quoi. Ok. Ok. Et la lumière fut. Et donc on se retrouve là-bas. Je pense de bon matin, étant donné l'heure, à mon avis, il va y avoir du combat en chemin. Allez, à tout de suite. Vous l'avez trouvé? Il est en bon état? Ouais, il a l'air. Parfait. J'ai vérifié avec papy. On peut l'installer sans aucun problème. J'ai hâte de voir le gain de puissance. Vous devriez tout de suite sentir la différence. T'auras qu'à me demander quand tu voudras faire la modif. Noctis, j'ai un service à te demander. D'accord. C'est pour une autre modif. Les phares de la Régalia. Je sais où en trouver de plus puissants. Ah ouais, sérieux? Je sais que ça peut paraître un peu insignifiant. Mais avoir de bons phares est primordial quand on voyage de nuit. C'est un modèle fabriqué en petite quantité. Et, bien sûr, il n'était en vente qu'à la capitale. C'est très rare d'en trouver à l'extérieur. Je suppose que la production a dû s'arrêter. Oh, désolée, j'aurais pas dû parler d'insomnia. Je trouve juste dommage qu'il n'y en ait pas plus. Bon, en tout cas, je peux te garantir que tu apprécieras la différence. Ça risque d'être dur d'aller récupérer ces phares. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse en équiper la Régalia. C'est important. C'est pour votre sécurité à tous. Tu veux bien faire ça pour moi, s'il te plaît? Pas de problème. Oh! Figure-toi que t'arrives juste au bon moment. J'ai du nouveau pour toi. Oh! Mais dans quel état vous me l'avez mise? Bon, ben je m'y mets tout de suite. D'accord. Je m'en occupe. Un petit tour de clé ici, et... Hop! Là! Voilà! Alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ce sera quoi aujourd'hui? Choisis ta teinte préférée. C'est tout ce que je peux te proposer actuellement. Tu veux quel autocollant? Tu veux quelle couleur? T'as trouvé quelque chose? Tu veux quel autocollant? T'as trouvé quelque chose?
Alors, quelle pièce tu aimerais renforcer? Ça te va comme ça? Je vais vous la bichonner. Et voilà! La voiture est prête. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. Cynthia. J'étais super pressé de rentrer, quelle poisse! Je vais pouvoir rentrer, merci beaucoup! Excellent travail, les gars. Non! Vous avez réussi! Pourquoi? Tu t'attendais à ce qu'on meure là-bas? Mais non, dis pas n'importe quoi. C'est juste que j'arrive pas à le croire. Je mets enfin la main sur une de ces pierres! Tiens, ta récompense. C'est de la bombe, t'en reviendras pas. Trop bon ce repas. Ah, Noctis, ça va? Je peux te demander un truc? Un truc du genre, va me chercher une pierre? Ouais, mais cette fois, c'est du sérieux. Ah, parce que jusqu'à maintenant, c'était de la rigolade? C'est pas ce que je veux dire. Mais, tu vois, si j'arrive à obtenir cette pierre, je pourrai enfin devenir bijoutier. Ah ouais? Si ça peut te faire plaisir. Non mais attends, tu te rends pas compte. Dis, si tu pouvais m'en trouver une, ce serait génial. Je pourrais fabriquer un accessoire incroyable, un des meilleurs au monde. J'aurais plus besoin de te demander de me chercher des pierres. Ce sont les chasseurs eux-mêmes qui viendraient me proposer leur service. Tu comprends mieux? C'est de ça que va dépendre mon avenir. Comme je te disais, c'est du sérieux. Malheureusement, cette fois encore, j'ai peu d'infos, ça craint. Si tu la trouves pas, je t'en voudrais pas, tant pis. Enfin, je prie quand même pour que tu y arrives, hein. Je compte sur toi, Noctis. Ok, la tour Kosselmark, c'est un donjon. Nous reverrons bien. Donc, on ira à l'occasion. Alors, ce qu'on va faire... Mais rigolez pas. Un petit point... Il tient vraiment à changer de vie. Cette fois, il n'y a plus de doute. Il avait l'air très sérieux. C'est vrai quoi. J'ai choisi d'utiliser à la fois des ingrédients du Lucis et de Ténébrae pour symboliser l'union des deux peuples. Ouais, bon, d'accord, ok. On va faire un petit point un campement. Histoire de manger et puis histoire de profiter de l'XP qu'on a eu. Alors juste à côté, au point de pêche, il y a la quête que nous... la continuité pour pêcher le plus gros poisson du jeu, entre guillemets. C'est juste là-bas. Par contre, je ne pense pas la faire maintenant, étant donné que je crois que c'est le moulinet. Que j'ai. C'est pas le bon. Il m'en faut encore plus balèze. Donc du coup, je vais au campement. Je vais manger comme il faut. Et on va faire un petit point sur ce qui reste à faire. Je pourrais très bien aussi faire des escales à chaque fois dans les villes, histoire de voir les contrats qu'il me reste à faire. Il me semble qu'il y en a quelques-uns que là je peux faire dans la zone dans laquelle je suis. Qu'annonce la météo? Ciel dégagé et température en hausse. Donc on va voir. Super. Donc ouais, la quête du pêcheur, je la laisse de côté pour l'instant. Et je m'y attaquerai une fois que j'aurai le moulinet correspondant. On se reverra. Ok, ça c'est bon. Alors, hop. Oh,
Ma méthode a l'air de plutôt mal, de plutôt pas mal marcher hein, au niveau des sphères magiques là. Je les dose à 33. J'ai même pas la compétence qui augmente les capsules que je fais de 100. C'est vrai qu'au niveau des compétences, on va y faire un petit saut. Je l'avais dit précédente vidéo, il me semble. Hop. Ok, petite poêle. Ça y est, on y est. Je me sens sale et poisseux. C'est l'heure du bain. Alors, c'est les ingrédients de nourriture, il va falloir que je fasse gaffe à ça. Oula, 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 je l'ai loupé le... Oh. Oh. Ride Saxam. Oh là là. Bon, mais je crois que je vais être bon pour aller à l'Estaloum chercher des ingrédients. Et ben, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Un truc que quelqu'un aime bien, qui est pas trop dégueulasse en cas de combat. Ah, je l'avais pas, enfin je l'avais prévu mais qu'à moitié quoi. Bon, ça pour la route. Alors oui, j'ai le chocobo au niveau maximal, donc niveau 10. Il faudra peut-être songer à tester les courses aussi, le chocobo. Ça peut être sympa. Ok, donc 600... Ah, yes, niveau 10. Bon, tout le monde est au maximum. Et ça, c'est excellent. Ça veut dire trophée. Et boum. Ce fut un combat qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ce fut un combat qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ok. Bon, bah du coup, je vais aller à l'Estaloum pour aller chercher le riz. Et je vais revenir. Alors, il me semble que ici, il y avait un contrat niveau 40. Je pense que je peux le faire maintenant. Là, je sais pas si j'ai du contrat à faire. Et là, il me semble qu'il y a personne qui me donne de contrat. Non. Ok. Bon. Ce que je vais faire, ouais, je vais aller à l'Estaloum. Et je vais revenir. Ici. Ou carrément un campement. Histoire de. De refaire à manger. Ici, par exemple. Ouais, on va faire comme ça. Parce que le petit bonus bon, d'XP, malheureusement, je j'en dépends un peu au vu de... Non, moi j'ai encore sommeil. Au vu de mon niveau élevé. Donc du coup, bah, c'est parti, et on se retrouve et bah, dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, ou un gros contrat, ou une quête, je ne sais pas. Beaucoup de choses peuvent changer en route. Mais bon, on va gérer. Alors j'en profite tant que je suis à l'Estaloum, je vois qu'il avait une quête secondaire à déclencher, donc ça c'est une bonne chose. Et on a aussi une autre
une autre quête à déclencher pour ma belle-sœur. Pour vous nourrir, vous êtes au bon endroit. Alors, riz, est-ce que tu peux m'en vendre au moins du riz? Oh là là là, si n'hésitez pas à revenir chez nous. Je suis dégoûté. Bon, j'en ai déclenché la quête secondaire là-bas. Oh, je crève de chaud. Eh ben, t'as qu'à enlever ta veste. Ça alors, mon petit chasseur. Petit chasseur? Oui, c'est ton nom. Ah, je me suis pas présenté. Je m'appelle Oli. Merci pour les démons de l'autre fois. Franchement, qui aurait pu croire qu'ils attaqueraient un jour notre usine? L'attaque m'a tellement secoué que ça m'a complètement bloqué le dos. À ce point-là? Ouais, ça me fait un mal de chien. Je peux à peine avancer. Malheureusement, là, la responsable des valves est absente. Elle doit vérifier que les obturateurs de la ville sont bien fermés. Ah. Tu cherches un remplaçant? Toi? Remplaçant? Ok, pourquoi pas. Il faut bien qu'on s'occupe de ces valves. D'accord. Inspecter les valves. En tout cas, les femmes bossent dur dans cette ville. Elles ont toutes l'air d'être débordées. Elles gèrent l'inspection et la maintenance aussi. Ouais, putain. Sans elles, la ville s'arrêterait. C'est impressionnant. On verra quand j'aurai le bonus d'XP. Ce sera plus simple. Ça sera plus simple, non, mais au moins ça me rapportera quelque chose de concret. Bon, il faut que j'aille voir si je peux trouver du riz de Saxa. Lait de brebis. Non, c'est pas du tout ça en fait. Bonus. Repassez bon. Me voir. Voir si je peux trouver les œufs aussi. Que j'en ai d'avance. Non, c'est pas lui, c'est lui. Salut l'ami. Que puis-je pour toi? Bon, je trouve la pas... prochaine fois j'aurai d'autres produits. Encore vous? Vous devez avoir faim? Qu'est-ce que je vous sers? Oui, on cherche des renforts. Il y a un truc que je comprends pas. Vous me quittez déjà? Revenez quand vous voulez. Salutations. C'était quoi déjà le plat qui vous avait tant plu? D'accord. Vous me quittez déjà? Revenez quand vous voulez. Obtenir une plume de griffon. Ah, il faut encore peut-être que je fasse le contrat. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous pourriez nous aider?
Et ben voilà. Bah oui. C'est gentil. Vous savez, on compte tous sur vous. Donc il y a des nouveaux contrats ici. Donc ça c'est pas mal. Bon, alors le griffon, il est de l'autre côté. Donc moi je vais prendre la voiture, je vais camper ici histoire d'avoir le bonus d'XP. On va s'occuper du griffon. Comme ça ce sera fait. Je vais voir, je vais m'organiser. Je vais me faire un petit parcours. Voilà, je vais me faire un petit parcours entre les quêtes secondaires et les arrêts pour checker tous les contrats, ce qu'il me reste à faire. Voilà. C'est pas le moment. C'est le moment. Vous concentrez. Écrase tout sur le passage. Dépêche les armes. Dépêche. Place, Ignis. Ok. Je veux bien. Merde. C'est des bestioles volantes. Prends-toi, tu gères. En avant. Ok. J'ai la plume. J'ai pas la plume. Un matelas dans une chambre, c'est tout ce que je veux. Pareil pour moi. Gladio, ouais. Pas de camping ce soir, merci. Ok. Enfin, je vois pas où je peux la choper cette plume de griffon, hein, parce que là je viens de dérouiller un griffon. Bon, bah écoutez, je ferai les autres contrats, j'ai perdu mon temps, super. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller là, parce que c'est complètement à l'autre bout de la carte. Et ça va me permettre du coup, en revenant, de bien vérifier partout. Petite plume. Oh, me dis pas qu'il faut que je cherche la plume. En tout cas, s'il faut que je cherche la plume. Ça, c'est bizarre quand même. Tu peux me filer une plume, toi? Non. Bon, bah écoutez, c'est parti. Donc il y a un petit comité d'accueil ici, là. Faisons un peu de nettoyage. Pas une option, là. Prince des tueurs. Merci. C'est presque des vacances. Regarde bien. Attention, regarde ça. Oh, c'était synchro là. Tranquille. Bon, le petit comité d'accueil, je m'y attendais pas, mais bon, en même temps, niveau 3. Alors, il y a un truc qui m'inquiète par contre.
Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ouais. Alors, il faudrait que j'aille en bas. Oh. C'est quoi cette histoire? Comment je peux faire pour aller en bas? Ouais. Ah, une carte. On se fout de nous, yes, ou quoi? Une carte au trésor, excellent. J'étais pas venu pour ça, mais bon, au moins, je suis pas venu pour rien. Ouais, mais comment on fait là pour descendre? C'est quoi cette histoire là? Ah, par là. Enfin, je sais pas, je dis par là, mais ça se trouve, rien du tout. Ouais, si, ça va être par là. Ok. Ça, c'est intéressant. C'est une entrée des plus discrètes. Ah, vous avez l'intention de descendre? Absolument. Eh ben, voilà. De quête. Faites attention à pas glisser. Ah, oh, qu'est-ce que j'aime les endroits étroits et tout sombres. Au fait, je vous ai déjà dit que j'étais claustrophobe. C'est vrai qu'on a des choses très importantes à faire en bas, hein? Tais-toi un peu, sinon tu vas tomber et te mordre la langue. Ah ouais, ce serait la cerise sur le gâteau. D'accord, donc ça explique le niveau de la quête. Ouais. Ça y est, on est arrivé. Les égouts! Ah, vu l'odeur, j'aurais dû m'en douter. Je t'invite à te pincer le nez. Enfin, tant que je dois pas y nager. Oh, ça fait quand même beaucoup d'eau, là. Tu t'attendais à quoi dans des égouts? Mais bien sûr, là où il y a plein d'eau, il y a des trésors, hein. La première fois que j'entends ça. N'essaie pas de me réconforter, surtout. Oh. Ok. Hé, regardez! Je suis sûr qu'il y a un moyen de... Okay. Bon, à mon avis... Voilà, et voilà. Réglons ça rapidement. Fais gaffe, hein. Accroche-toi. Non, 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 non. Oh non. On s'est pas barré. C'est pour moi. Tiens, go. Ouais, on arrive toujours. Oh là là. Oh là là. Ça va être le bazar. J'espère qu'on va avoir le temps de finir le donjon dans la vidéo. Sinon, c'est la cata. C'est périlleux de se battre dans le noir. Désolé. Trompe-toi, tu gères. De traîner par ici. Ok, donc lui, il va se prendre ça. Tu prends ton super élixir ou pas? Voilà. Non, il veut pas. Très bien. Je suis perdu. Bon, je viens d'ici. Ok. Il y a un passage en dessous. Mais je vais me perdre là-dedans, moi. Bon, on va fouiller, hein. Mais je vais me perdre, je vous le dis. Ah!
vraiment trop fort. Bon. On avance. Ouais. Là, je peux pas y aller, forcément. Regardez, il y a une autre échelle là-haut. Malheureusement, elle est hors d'atteinte. Je serais curieux de savoir comment on fait pour aller là-bas. Il y a forcément un moyen. On finira par trouver. Bon, j'y vais au pif. Ça recommence. Que je commence enfin à prendre le coup de main. J'ai vu pire. Ah, tu le penses sérieusement? Enfin, je veux dire, t'es sincère? Vraiment? Je sens que ça va être long. Bon, sinon, ce sera en deux parties cette vidéo. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut fouiller, il y a plein de choses. Enfin, j'ai l'impression que c'est perdu, seul. Ah, c'est pas vrai! Wow. Super. Ah bah tiens, okay, ça. Ah bah voilà le monstre. Je me suis transformé en crapaud. Prends-toi, tu gères. Oh là. Après ce combat, alors. Regarde ça. Tu sais motiver. Il est là pour aider notre matracien. Ah ben voilà, c'est ça. Bon, j'espère que c'était le boss, hein, parce que là, c'est n'importe quoi sinon. Bon, c'est bien parce que j'étais venu pour faire une quête et je me retrouve complètement paumé dans un égout à la con. On est vivant ! Et je sais ce qu'on va manger pour fêter ça. Est-ce qu'il y a des choses par là? Non. Bah, je peux peut-être. Cela étant dit, je peux peut-être. Ouais. Voilà. On va faire ça.
Non, pas menti. Allez, cassez-vous. C'est bien, parce que ça, à mon avis, il fallait le récupérer avant de faire le boss. Enfin, si c'était le boss, hein. Après, de toute façon, c'était pas du tout le boss. Hein. Qu'on peut faire, super. Là, il y avait rien. Allez, on repart. Voilà. Ok, donc là, il y a une échelle. Pas le choix. C'est pas. Ouais, c'est le moment de se concentrer. Je vais, faut vraiment hein. Qu'on passe par là. T'as qu'à pas regarder en bas. J'en viens d'ici. Ah oui, non. D'accord. Moi, je me suis méchamment rétamé tout là-haut, quoi. Ah. Ouais, moi aussi. Je commence à fatiguer, là. Fais gaffe à pas tomber, paumé. D'accord. Bon, j'espère que ça vaut le coup, hein, qu'il y a une arme ou un truc bien à l'intérieur, parce que là... Ok. Et après. Oh là là. Est-ce qu'il faut que je fasse un truc en particulier? J'ai pas l'impression. Si jamais on nous attaque maintenant, on sera bien dans la merde. Oui, c'est le cas de le dire. Arrêtez! Parlez pas de malheur! Vous pouvez vous taire? J'ai besoin de me concentrer. Il y a des clés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clés? Est-ce qu'il me faut pas 4 clés pour y aller? Cette histoire de clés, c'est bizarre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mécanisme. Bah.
Me dis pas qu'il faut que j'active des mécanismes. Oh là 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 là, le donjon le plus pété du monde. Mais... qu'est-ce que c'est que cette histoire de mécanisme? Sérieux. J'ai loupé un truc ou quoi? Cette histoire de mécanisme, je comprends pas là. Enfin, j'ai dû louper quelque chose. Hein. Je sais pas quoi, mais je l'ai loupé. D'accord, donc là ça tombe. Oh non. Bon. Et eh ben je suis marron. Bon, bah écoutez, je fais une petite coupure. Et on se retrouve eh ben, là où je suis tombé comme une grosse. Une grosse merde. Bon, il me semble que c'était là que je me suis méchamment trallé. Enfin, si on peut vraiment appeler ça une tralle, ouais, ça doit être là, parce que j'ai pas souvenir d'avoir monté une échelle comme ça. Bon, alors, oui, entre-temps, je me suis renseigné, il y a bel et bien 4 mécanismes à activer. Donc, faut les chercher. Super. Donc, je vais passer ma vie dans ce donjon pourri. Ah, bah tiens. Tiens, un interrupteur. Je me demande à quoi il sert. Peut-être qu'il ouvre une porte. Bon, j'en ai activé un. J'espère que j'en ai pas loupé. On devrait toucher au but là. Vous croyez pas? J'espère bien. Quelle journée d'enfer. Ok, donc faut que je cherche quoi. Encore une porte verrouillée. Ça commence à me gonfler. Oh, ça va, ça va, ça va, y'a pas de quoi s'énerver. Tu peux parler, toi? Tu te plains tout le temps. Ok. Donc il faut chercher. Tiens, okay. Elle s'ouvre. Pourtant, elle était fermée avant. Évidemment qu'elle s'ouvre. Il suffit simplement d'être du bon côté du verrou. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Allez. Si c'est pour tomber là, c'est bon. Donc il y a une échelle. Mais c'est quoi ce truc sans fin là? Ah oh ouais, mais les gars. Ouh là là, oui, donc je pense que ce sera en deux parties. Hein. J'ai pas regardé le temps. On bouge. Ok. Je suis sûr qu'à tous les coups il y a un truc là, il y a un mécanisme ou quoi. Alors, si il y a un truc, que je suis bloqué à cause de ça, ça va me saouler. Ok, donc là il y a une échelle. Mais en fait on est revenu à l'entrée là. On est revenu au début.
Oh la blague. Ah, ça c'était peut-être un mécanisme. Le panneau là. Bon, on est revenu au début. Oh, voilà. Un autre interrupteur. Il demande qu'à être utilisé, non? À quoi il sert celui-là? Ok, donc là j'ai ouvert ici tout à l'heure. Donc, il doit y avoir un accès. Faut que je regarde la carte. On s'est foutu cette histoire. Tac, 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 tac. Là, par là. Ouais, c'est ça. Bon. Pas de mécanisme. Ok, un pendentif, c'est génial. Ok. Oui, non, je voulais pas forcément descendre, je voulais juste monter l'échelle, quoi. Voilà. Allez. Donc, j'ai sûrement dû louper quelques mécanismes en route, donc il va falloir être attentif. Ok, non. Donc là, c'est une impasse, donc on y va. Non, c'est pas une impasse du tout, en fait. Ok. Bon, ouais. Enfin, on va y aller. C'est ici. Espérons que les phares seront pas cassés. Espérons déjà qu'on le... Tiens, ça doit être ça. Voilà. Sans aucun doute. Allons voir Cindy. Super. J'espère que ça la rassurera. Si on a une... À mon avis, celui-là est important. Tu veux l'essayer, Noct? Ok. Je pense qu'il faut éviter de tomber. Voilà. Bon. Bon bah, il doit y avoir de l'action. Cet endroit me dit... Ah oui, non. Non, non. Je n'irai pas. Ouais, il y a un mécanisme là-bas. Oh... Ouais. Allez, normalement... Si c'est bon... Eh ben voilà. Ah. Attendez! Vous avez entendu ce bruit à l'instant? Ouais. Ça ressemblait à un bruit de porte qui s'ouvre. Bien, on n'a que l'embarras du choix. Noct, t'es sûr qu'on n'est pas perdu là? Ça devrait aller. Je crois. Oh. D'accord. Mais où les gars? Toujours les petits trucs magiques, hein, histoire de gagner du point de compétence. Super. Je suis complètement rassuré. Oh. Yeah. C'est trop facile. À peine transpirer. On a évité de tomber. Elixir. Hop. Donc là, c'est une impasse. Et là, je me suis bloqué. Fin du jeu. Bon. Eh bien... Ouais, donc en gros, là, on descend pour... Ouais, ben voilà, hein, pas de choix. Hop. Boum. Ok. Bon, maintenant, il faut retourner à la porte. Alors, entre-temps, ce que je peux faire... Je peux en faire quelques petites capsules magiques. Remède, je m'en sers jamais, voilà. On va utiliser ça. Et j'ai plus de place. Donc ça c'est à fond. Hop, moi je prends. Et hop. Ok. Allez, on retourne à la fameuse porte. La porte du destin. Ok, donc c'était pas là. C'était là. Je crois, je suis perdu là.
Mais c'était où? Alors c'était plus haut? Bah non. Oula, oula, je me suis perdu avec cette histoire, moi. Mais elle est où cette porte là? Mais. Ah, je suis complètement perdu. C'était pas là-bas. C'était pas là non plus. Je suis totalement perdu là. Je. Voilà. Bon, écoutez, on va faire comme si. C'était après l'échelle là. Ah oui, mais oui, je suis bête. C'est après l'échelle. C'est après, faut passer le tuyau. Oh là là, mais. Ouh, vivement que je sorte de ce donjon là. Allez. Oh ouais, cette touche d'interaction, elle est quand même, c'est quand même un peu stressant quoi. C'est sur la même touche de saut. Bon, heureusement que là, j'étais pas sujet à tenir sur un orteil, parce que sinon je tombais avec les quelques sauts que j'ai fait. Allez, ça c'est bon. Hop, 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 hop. Je crois que c'est juste une question de mouvement de caméra, au final. Allez, on traverse ça, et normalement, on arrive... Cette fameuse porte qui était bloquée, et vu qu'elle était bloquée, je pense qu'il y a quelque chose de pas sympa qui nous attend derrière. Tout simplement. Continuer. Je suis pas persuadé que ce soit une super bonne nouvelle, mais ouais, voilà. Voilà quoi. Un Pokémon légendaire, tout va bien. Ouh, niveau 50. On va peut-être. Ah, on peut pas l'analyser. Ça, c'est pas cool. Invulnérable, très bien. Méga élixir. C'est périlleux de se battre dans le noir. Tu devrais allumer la lumière quand même, hein. Pas ici. Ok, donc s'il est invulnérable au feu, ça sert à rien de garder une capsule de feu. Foudre. Ouais, le boss. Allez, ouais, ça marche. Goûte-moi ça. Hey, sur là. Franco, tu gères? Hop, non. Il a pas l'air de moufter avec mes armes. Absorbe la vie celle-là. Ah ouais. Bon, elle a pas d'attribut magique par contre. Mais bon. Ah, là il aime pas.
mince. Fini de rigoler. Je pensais pas que ce serait si difficile. Bon, par contre, ouais. Pardon, hein, je... Mais c'est tellement galère... Oui. C'est tellement galère, en fait, de... d'avoir à revenir à chaque fois comme ça. Dans le menu d'équipement, j'en suis totalement conscient. C'est une situation. Bon, en même temps, si je veux gérer, moi, je... Arrête ça pour moi. Coupe-moi ça. Ah. Pas de quartier. Ah. Rien de personne. Regarde ça. Je crois que c'est le début de la fin. On va l'achever. Terminé en couvert. Réglé. C'est pas trop tôt. Remarquable. Ouh, Jim. Ouah, là, on a eu du point. Bon, y a rien à trouver dans cette salle. Bon, visiblement non. Maintenant, faut que je trouve le moyen de sortir d'ici. C'est lourd, non. On sort. Ah mais oui, par là où on est rentré. Bah non, pas du tout. Il y a une grande échelle à côté et à mon avis ça va mener à l'entrée ou pas loin du moins. Ouais, voilà. On peut bien voir. Bon, en tout cas ce fut éprouvant. À mon avis, voilà, ça ça va faire partie de la partie 2 tout simplement. Parce que j'ai trouvé ça long quand même. Donc au final. Hop. Donc là on revient au mécanisme forcément. Ok. Ok, écoutez ce que je vais faire. Je vais faire une petite coupure. De toute façon ça ne sert à rien que vous me voyez galérer pour sortir d'ici. Donc je fais une petite coupure et on se retrouve dehors. Enfin peut-être qu'entre temps je vais regarder combien de temps ça a fait. Et si ça fait juste pile point d'un épisode, on se laisse là-dessus, c'est très bien. Sinon, eh bien, écoutez, ce sera une partie 2. Et du coup je pense que j'ai le temps pour faire d'autres choses. Donc voilà, je vais faire mon petit micmac comme d'habitude. Et puis normalement vous devriez vous en sortir convenablement. Eh bien écoutez, on se laisse là-dessus, ça fait 58 minutes pile poil, enfin de ce que j'ai compté. Donc du coup c'est parfait, ça fait un épisode, c'est génial. Par contre il y a un truc à trouver ici. Ah, une carte au trésor. On a encore par ici, regardez. Ah, puzzle. Quand est-ce qu'on trouve le trésor? Voilà, j'ai validé une quête pour finir. Bon écoutez, là-dessus les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Final Fantasy XV. Allez, ciao tout le monde.